limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Hello tout le monde, c'est Number 117, on se retrouve pour le sixième épisode de l'aventure de Limbo. Donc, j'étais bloqué ici la dernière fois avec cette petite échelle qui m'a bien fait chier, on va dire. Du coup, je pense avoir trouvé la solution, donc il faut que je me mette du côté là, voilà. Déjà, que je monte. Que je saute et que je m'attache, voilà. Donc, du coup, il faut attendre que l'échelle revienne. J'ai, voilà. Maintenant. Et il faut courir. Voilà. Et là, j'arrive à atteindre la plateforme. Donc, du coup, maintenant, je peux actionner le petit levier qui est ici. Donc, on va essayer. Hop. Voilà. Oula, oula. D'accord. Ok, en fait le truc se baisse directement. Ah, ok, donc moi je vais recommencer. Super le piège. Bon, on va recommencer, on va repousser le truc là. C'est chiant à faire, mais bon. C'est en mourant qu'on comprend comment ça fonctionne. Donc là je vais attendre que le chariot revienne. Voilà. Et là, hop, vite, 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 vite. Voilà. Bon, ça c'est bon, ça c'est facile pour l'instant. Ah mince! J'ai oublié de mettre le chariot. Je suis trop con. Bon. Je vais le mettre juste en dessous. Voilà. Là il est juste en dessous. Donc, du coup, on va refaire. Allez, je repousse le truc. Hop. On va refaire l'opération. À attendre. Assez compliqué, mais bon, il faut le savoir. Ah là, j'ai bien géré le truc en plus. Voilà. J'ai un petit peu attendu, mais ça va. Maintenant, il faut actionner le petit levier. Voilà, et là, je suis dessus. Bon. je sens que ça va... Ça va être difficile à partir de maintenant. On voit plus rien du tout. On le voit même plus, le petit limbo. Je pense qu'il faut que je monte. Ouais. Oh putain! Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah. Mais c'est impossible! C'est impossible ces trucs là. Bon, je pense qu'il faut que je monte quand même en haut, mais il faut que je prenne de l'élan. Là, j'ai pas pris assez d'élan. Ah non! J'ai été trop vite. Putain, j'étais juste au bord du chariot. Du petit truc là. Bon. Je pense savoir. Faut que je sois vraiment, mais. Voilà, comme ça. Bon, là, vous avez pas dû voir, mais moi j'ai senti le truc, donc ça s'est passé. Donc, du coup, on va arriver où là. Oula, 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 oula. Peut-être qu'il faut que je monte. Oh non! N'importe quoi. Ah mais c'est des tordus ceux qui ont créé ce jeu là. Ah non, il faut que je recommence. Ah c'est bon. Bon là je vais redescendre. Donc ça, ça active ce truc. Donc, ça active l'électricité. Ah il y a de l'électricité. Il y a l'électricité de l'autre côté. Ah, alors le chariot, je vais le pousser où? Je vais le pousser, je vais le pousser. Jusqu'à ce que je monte là-haut. Ah, c'est impossible, je vais m'électrocuter là. Ouais. Comment je vais faire? Ah, bloque-le, bloque-le, bloque-le. Voilà. Comment je vais faire pour pas que ça actionne le bouton? Ah ouais, il faut que je le pousse. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, non. Bon, j'ai fait de la crotte.
c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Il faut, en fait, il faudrait que je le pousse et qu'il revienne de l'autre côté, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et logiquement. Allez, 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 allez. Yes! Bon, j'ai trouvé le truc. Donc maintenant. Oh là là là! Oh, excellent! Bon, là, il y a un caillou, là, je sens qu'il va me tomber sur la tronche. Donc, je vais passer de l'autre côté, voilà. Allez. On voit plus rien! Si, c'est bon. Ah merde! Si, c'est bon. Ah non, il y a un truc électrique. Bon, je vais pas passer. Oh non, oh putain! Ah, il y a un caillou. Comment je vais faire? Ah si, c'est bon, il y a une plateforme. Voilà. Merde! Ah, ça s'est arrêté. Et du coup, faut que je mette ça là. Et je vois une plateforme là-haut. Voilà. Pour passer comme ça. Voilà. Il y avait un asticot. On peut pas sauter. Ok, bon. Je pense que la caisse, il faut la mettre en bas. Pour ne pas être électrocuté par le truc, la plateforme qui est en bas là. Voilà. Vraiment que je la pousse tout doucement. Voilà. Et que j'aille en dessous. Bon bah ça va. Pour l'instant, ça c'est pas le super super compliqué. Enfin, je galère quand même un peu, mais pour certains trucs, mais d'autres ça va. Alors, du coup c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des lasers, je sens que si je passe dedans, je vais être coupé en 6. Oh la vache! C'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord, en fait, il y a un laser qui active un autre. Du coup, si je passe en bas, alors on va essayer. Hein. Ouais. Déjà, je me pète les jambes. Et c'est pas comme ça. C'est pas vers le bas. Donc. De toute façon, je pense qu'il faut aller. Oh non! Ah mais c'est impossible. Comment faire pour ne pas activer ce putain de machin? Pas moyen de l'activer autrement? Ah, si peut-être comme ça. Non, ouais mais non, je tombe. Pas comme ça que je veux faire. C'est quoi cette énigme? Je pense qu'il faut activer celui qui est horizontal pour que celui qui est vertical, le laser là, s'active seulement après. Après que j'arrive à passer. Non, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste m'accrocher pour que le laser. Enfin, m'accrocher juste au bord là, avec les mains là. Voilà, comme ça. Ouais, mais ça change rien. Ok. Là, je vois pas. Hein. Je vois pas du tout comment je peux faire. Voilà. Oh! Ok. Ok. Oh putain, le machin. Ah d'accord. Ah ça y est. J'ai compris le truc. Il faut que je détruise l'autre canon. En restant comme ça. Non. Ah si. Il commence à fumer. Donc c'est ça, c'est bien ça qu'il faut faire. Merde, merde, merde. Il faut que je reste ici en fait. Pour activer le truc. Commence à fumer, donc c'est forcément comme ça. Et après, celui du haut, ça va être facile à l'éviter, je pense. Ah,
ça n'a pas vraiment endommagé, je crois. Faut vraiment que je l'active au moment où je suis là. Ah, la musique, franchement, elle nous met... elle nous met dans l'ambiance. Voilà. J'ai réussi à te péter le petit laser. Bah, ça va. Ah, vite, vite. Bon, ça va. Il va de l'autre sens, le truc. Allez. Que faire ici? Je sens que cette plateforme, elle est encore électrifiable. Déjà, je peux pas monter en haut. Donc, du coup, je suis obligé d'aller en bas. Une petite caisse là. Ok, bon, on va essayer de déjà pousser la caisse. Wow! Oh la vache! D'accord, c'est un truc aimanté. Ah. Vous avez vu derrière, il y a un pneu qui se lève quand j'active le truc. Regardez. C'est énorme. Ah, mais du coup, je vais faire comment? Pour monter de l'autre côté. Ah, j'ai compris. Comme ça. Oh, mais viens là, toi. Ah ouais, non, ça va pas en fait. Ah, je vois pas. Hein. Non, accroche-toi. Ah, j'ai compris le truc. Je le mets bien au bord. Et celui-ci, que je le mette là. Voilà. Non, ça va pas. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Je pense que déjà, il faut que je pousse le truc là à fond. Que je mette ça. Ouais, non. Oh merde. Là, franchement, j'ai fait de la merde. Là, il y a un temps, regardez en dessous. Il y a un compteur. Alors, comment je vais faire pour amener les caisses là-haut? C'est ça le truc. C'est qu'il faut que je réussisse. Juste une caisse en fait, je pense. L'autre elle me servirait pas. Donc, il faut juste que j'amène une caisse là-haut. Que je réussisse à monter. Voilà. Ah ouais, mais non. C'est ça qu'il faut que je fasse. Hein. LOL. Ouais, d'accord. Bon. Pas comme ça, c'est pas comme ça. Je vois pas comment je peux faire là. Ça commence à devenir compliqué. Bon, là, le truc il monte, mais après il va retomber. Donc, comment faire pour monter au-dessus? Ouais, donc ça c'était sûr. La caisse. Peut-être comme ça. Hein. Je suis en train de faire une connerie, ça marche. Ah ben, j'avais pas mis une échelle juste là. Ouais, mais non, parce qu'elles sont bloquées en fait. Donc du coup, ce que je fais, ça sert à rien. Bon, je vais aller voir là-bas. Je sais pas aller. Ah. Ok. Ça y est, j'ai compris le truc. Il faut que je mette de la pente. Forcément, si je veux pas à droite, je vais pas comprendre le truc. Et voilà, et j'attends. Oh non, mais non, j'ai sauté dessus, je suis trop con. Bon, j'ai compris le truc. Moi, je vous préviens, cet épisode dure un peu plus longtemps que les précédents, parce que... parce que j'ai envie de finir cette série. Voilà. Ouais, mais non. Comment je...
Il faut que... Ah, ça y est. Je pense qu'en fait, il faut que je saute directement après. Quand la caisse, elle retombe, en fait. Avant qu'elle retombe, enfin, avant qu'elle m'écrase sur le plafond, il faut que je saute de l'autre côté pour pouvoir après la repousser de l'autre côté. C'est compliqué, mais je vais le faire. Je vais essayer, du moins. Ouais, mais non, là, c'est chiant. Voilà. Et là, je reste ici pour pouvoir la pousser. Voilà. Non, 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 pourquoi il monte, le con? Mais non! Bon, vous avez compris, je pense que oui. Alors, pour l'instant... Oh, putain, c'est trop con, ce que je fais. Pourquoi il s'est accroché? J'y étais presque. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je suis bien. Non! Oh, putain. J'ai failli être écrasé par le truc. Voilà. Et là, je la pousse. Parce que je m'étais aidé tout à l'heure de la flèche du haut. Du coup, il a monté. Et... Il fallait pas. Voilà. Là, c'est bon. Pour l'instant... Oh non. Pourquoi je dois redescendre? Ok. Ok. Ouais, mais... Ah, il me faut l'autre caisse maintenant. Ah, mais comment je peux faire? Pour prendre l'autre caisse. Là, je vois pas ce qu'il faut faire. Parce que la caisse là, de toute façon, elle m'aide pour monter là-haut. Voilà. Ici, c'est une plateforme normale. Ouais, ok. Bon, là, je redescends. Et pourquoi je dois redescendre? Ah! Ah non, j'ai cru un truc. Non, c'est pas ça. Ah, le truc, il marche plus, là. Si, ça marche encore. Alors là, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Si je mets ça comme ça, là je peux m'aider à monter. Bon, je vais retourner en arrière parce que là, il y a un truc qui va pas. J'ai dû oublier quelque chose. Bon, ça, c'est les lasers. Bon, j'ai rien oublié. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors là, je suis bloqué. Je vois pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être monter là-haut. Mais comment amener une caisse là-haut? C'est impossible. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. La chaîne, elle tombe juste en dessous de quoi? Là, je vois pas du tout, je suis bloqué. Alors, c'est dans ces moments-là qu'on se dit que ce jeu, bah, il est compliqué. Il est pas facile. Oh merde, non, 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 non! Putain, je fais une connerie en faisant ça. Alors, déjà, je comprends pas pourquoi l'échelle est retombée. Ça me sert à quoi d'aller en dessous, quoi. C'est ça le truc. C'est que pourquoi elle est tombée? Faut que je redescende ici. Ici, c'est bloqué. C'est un mur. Bon. Je vois pas du tout. Le pneu derrière, c'est quoi ça?
Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse, et dès que j'ai trouvé le truc, ben, je reprends le gameplay tout de suite après. Allez, à tout de suite. Retour de l'ellipse, alors que après quelques minutes de réflexion, j'ai pu enfin comprendre comment ça fonctionnait. En fait, il fallait que je fasse comme j'avais fait pour la première caisse, c'est-à-dire de la pousser la deuxième ici, et de grimper sur l'échelle, voilà. De grimper sur l'échelle. Comme ça, regardez ce qui va se passer. C'est que la caisse qui se trouve là-bas, voilà, elle monte. Et logiquement, je peux la tirer, voilà. C'était facile, mais il fallait y penser. Répéter les mêmes choses pour... Voilà, ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec cette caisse? Si je la mets là, ça fait quoi? Ça va rien faire. Ah, quoique. Peut-être que je la mette ici. Et avec le truc magnétique, je vais pouvoir monter en fait. Il faut que je refasse la même opération. Alors attendez, je l'ai mal placé. Que je la mette ici, voilà. Sinon elle va ricocher contre le truc et ça va pas le faire. Donc du coup, il faut que je refasse pareil encore. Je pense. Pour que je puisse monter tout en haut. Voilà, et là je me dépêche. Vite, 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 vite. Allez, allez, Limbo. Voilà. Oh non. Oh non, c'est horrible. Ok, d'accord, ça ouvre le machin là. Ok. Ah non, faut que je recommence tout. Oh là là. Bon. Vu que j'ai compris le truc, ça va. Allez. Voilà. Ah, ils auraient pu mettre un pinceau de garde ici. C'est chiant de faire ça là. Du coup, faut que je refasse encore une fois. Ah non, faut que j'aille en haut déjà. Pour faire baisser l'échelle. Ouais, ils auraient pu franchement mettre un point de sauvegarde, parce que là, ça commence à devenir saoulant de faire ça. Voilà, l'échelle, elle va tomber. Hop, voilà. Maintenant... Je refasse ce truc pour amener la caisse là-bas. Hop. Que je monte. Je me dépêche. Merde. Si je le prends pas. Oh putain, j'ai failli être écrasé par la caisse là encore une fois. Voilà. Donc maintenant. Que je la place ici, hein. J'espère que je vais pas me faire avoir deux fois. Voilà, ici. Ça monte vraiment trop vite en fait, ce truc magnétique. Du coup, bah, c'est assez compliqué. Bon, ça voilà. Là, c'est fait. Allez, je me concentre. Vite, vite, vite. Monte, monte. Voilà. Ouf, j'ai réussi. Et ben enfin. Enfin, j'ai réussi le truc. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est un ascenseur. Voilà. Bon, là, ça va. Il y a une caisse ici. On va aller voir là-bas. Voir ce qu'il y a. Ah, oh, il y a un laser. Ok.
putain. Je sens que ça va être compliqué. Ah, ok. Alors, il y a un autre laser là-bas, donc je pense qu'il faut que je fasse ça. Et que je retombe. Voilà. Là, ça coupe la caisse. Enfin, le fil qui tenait la caisse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, soit je mets la caisse là, mais je pense qu'elle va être détruite si je la mets dedans. Donc, c'est pas ça. Alors, on va activer pour voir. Ouais, j'ai pas activé. Ouais, c'est le truc qui sert à rien. Ok, donc, je pense qu'il faut que je la mette là-haut pour que je puisse monter. Ouais, que je puisse monter. De l'autre côté du laser, je pense. Je pense que c'est comme ça. Si c'est pas ça, moi pas comprendre. Ah! Le vol plané! Le saut de l'ange, il a fait. Donc c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Allez, active. Active! Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Je vais devoir recommencer ce truc. Mince. Je vais aller trop vite. Voilà. Bon. La caisse, c'est bon. Par contre, elle va me servir à quoi? Alors, le laser là, il va jusqu'où? Bon, je vais essayer de mettre la caisse ici. C'est peut-être une caisse incassable, hein. Hein? Ah, d'accord. Donc le laser, il marche que sur le personnage Limbo, mais pas les caisses, d'accord. Bon. Ah, les fourbes. Ah, ouais, ok. J'avais pas vu. Oula, c'est quoi ça? Oh, excellent! Alors, il y a la petite caisse là. Ok. Eh, mais on va l'appeler Gravity, ce machin là. C'est énorme. Voilà. Donc, la caisse, je la mettre là. Pour qu'après, regardez, c'est tout con. Mais il fallait y penser. Voilà, je pense que c'est comme ça. Ah merde! Ouais, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste que j'arrive à placer la caisse en fait. Bon, j'allais voir au bout. Parce que là, si je vais jusqu'au bout, ça fait quoi? Non, parce que la gravité m'emporte pas. Ah, il faut peut-être que... Voilà, que je tire ça là ici. Voilà, que je la mets juste en dessous et que je monte. Excellent. Je suis vraiment à l'envers là. Ouais, mais non. Comment je vais faire? Oula. Je vois pas du tout comment je... Il faudrait que... J'active. Bon, c'est pas comme ça. Le truc qu'il faudrait que je fasse, c'est activer ça. Et dès que je l'active, c'est déjà, c'est automatique, c'est-à-dire que je tombe directement. Et ça redescend. Je commence.
à ne pas comprendre comment je vais faire là. Comment ça commence à devenir compliqué. L'épisode il va durer 2 heures. Non, c'est pas comme ça. Ah, j'ai bien trouvé. Comment je vais faire? J'essaie de pousser la caisse. De l'autre côté pour voir ce que ça peut faire. Ok, donc je pense que c'est par là-bas qu'il fallait que j'aille. Il y a des papillons là. Ouais mais si je mets la caisse là. Ça change quoi? Là, c'est l'arbre que je voyais d'en dessous. Ramener une caisse là-bas, qu'est-ce que ça pourrait me faire? Bon, je vais redescendre. Je vais voir un truc. Ok. Donc du coup, ramener une caisse ici. Ah, peut-être dans l'ascenseur, ouais. Que je la mette en haut. Ok, ça y est, j'ai compris le truc. J'ai compris le truc. Ah, il fallait faire comme ça. Ah, c'était pas compliqué. Donc du coup, là, je vais mettre la caisse à l'intérieur. Faut que je la mette au-dessus. Voilà. Je pense que c'est comme ça, parce que de l'autre côté, il n'y a pas moyen de... Bah, de passer avec la caisse. Enfin, je vois pas, donc... Voilà. Je me mets juste devant. Merde, mais non, ne tombe pas, ne tombe. Ah merde! J'ai de la crotte. Allez, on va activer le truc. Active! Voilà. Le truc il. Ok. Voilà. Donc là, j'ai réussi à passer du côté là. Donc en fait, là-bas, c'était un leurre. C'est quoi ça? Ok. Une caisse. Faut peut-être que je ramène la caisse du coup. Ouais, je peux pas. Ah! Avec le truc magnétique, est-ce qu'il y a moyen? Bon, il n'y a pas moyen. Parce que si j'active le truc magnétoche, j'aurai deux caisses. Du coup, il y a moyen. Il y a moyen que je la remette de l'autre côté. Donc si j'active ça, voilà, la caisse est en haut. Bon, je vais essayer de retourner voir le truc magnétique là-bas. Voir ce que ça peut faire, mais. Mais je vois pas. Je vais essayer de passer. Donc, du coup, je vais essayer. Je vais voir du côté là-bas. Si je peux pas ramener une deuxième caisse. La caisse que... C'est quoi la caisse là? C'est la caisse qui était à l'intérieur.
Ouais, non, c'est pas ça. Ça, c'est la caisse qui m'aide à monter de l'autre côté avec l'ascenseur là. Donc, c'est pas ça. Je l'ai laissé ici. Hein. On va les monter ici. Du coup, je pense que le truc c'est qu'il faut que j'amène deux caisses ici. J'en mets une là, en bas, et une ici. Comme ça, j'arriverai à monter de l'autre côté. Ouais, non, ça va être compliqué. C'est trop compliqué, il faut que j'arrive à inverser le truc sans que. Pour l'instant, je vois pas vraiment ce qu'il faut faire. Ah, mais la caisse, elle est où maintenant là? Elle est là. Ok. Je vais la mettre ici. Voilà. Après, je la remets à l'intérieur. Non. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Tire ta caisse, voilà. Je la mets au-dessus. Voilà. C'est forcément comme ça. Ok. Ça, je l'ai déjà fait. Donc ici, il y a une caisse. Je peux pas passer. Ah, je suis un peu bloqué, hein. Est-ce que ça, je peux pousser? Non, je peux pas pousser. Et si je monte? Non. L'ascenseur ne va pas plus haut de toute façon. Si je redescends, que je vais là-bas. Là, je pense pas que c'est ça, mais non, là je suis bloqué. Bon, bah je vais refaire encore une ellipse et ce sera la dernière. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Donc je pense avoir trouvé le truc, c'est que c'était là-bas qu'il fallait que je fasse le truc. Voilà. En fait, grâce à ce truc. Alors vous voyez, on peut jouer avec la gravité. Donc du coup, il faut que j'essaye d'amener la caisse. De mon côté. J'arrive au moins. Non, faut pas qu'il touche en haut. Bon. Non, ah, j'y étais presque. Alors, on va monter plus haut possible. Non, ah, j'y étais presque. Alors, faut que je la monte au maximum, qu'elle retombe. Non! J'ai fait n'importe quoi. Bon, j'arrive pas à jouer avec le machin là. Hein. Avec la gravité, c'est chaud. Hein.
non, j'y étais presque. Là, il fait du surplace. Non, j'ai fait une connerie, c'est pas comme ça. Bon. Ça commence à m'énerver cette partie-là. Il faut juste que j'arrive à faire ça au moins. Voilà, je la tape bien fort par terre. Non, ça marche pas. Je veux qu'elle aille vers la droite. Et elle veut pas. Wow! Oh, d'accord, ça y est, j'ai compris le truc. Faut que je la monte au maximum. Qu'elle tape. Voilà, ouf. Enfin j'ai réussi. Ah, c'était long, hein, parce que là je vous dis pas, tout à l'heure j'ai mis 10 minutes à comprendre comment il fallait faire pour, bah, pour pouvoir amener deux caisses de l'autre côté là-bas, quoi. Donc du coup, est-ce qu'on peut pousser cette caisse et la tirer? Ouais. Eh lol. Le truc qui sert à rien. Il faut que je réussisse à mettre la caisse. Ah, mais il y a moyen que les deux, en fait, si j'active le truc magnétique, que les deux aillent en haut. Donc, je vais faire. On va voir. Allez, dépêche-toi, Limbo. C'était juste. J'ai réussi. Donc, du coup, si je fais ça. Hop. Voilà. On va voir. On va aller voir les deux caisses. J'espère que franchement, elles sont juste l'une à côté de l'autre. Ça serait énorme. Ah, c'est énorme. Voilà, j'ai trouvé le truc. Bon, bah voilà. J'ai amené mes deux caisses. Donc du coup, je vais les pousser là-bas. Donc le gameplay, hein, je le mettrai pas en 1080p. Ça va être trop long par rapport à ma connexion. De mettre un gameplay aussi long sur YouTube. Parce que voilà quoi, ça va être compliqué pour moi. Je vais pas mettre 6 ans de d'upload sur internet. Après je pourrais plus faire ce que je veux. Donc bah je le mettrai en 720p le gameplay. Alors. Que je mette une caisse ici. Et que je mette une caisse ici. Voilà, c'est ce que je voulais faire la dernière fois. Enfin tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, faut que je fasse ça et que je me dépêche. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, la gravité, c'est bon. Je suis de l'autre côté. Hop. Ok. Encore des trucs magnétoches. J'active tout. On va voir. Pour l'instant, ça m'écrase pas. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Non, on peut pas. Et si je désactive ça. Ça ne fait strictement rien. Ah, quoique, si je fais ça. Non. Alors là, je vois pas du tout. Je vois pas du tout comment je peux faire. Parce que logiquement, le bloc là-haut, il doit tomber, logiquement. Je pense que c'est comme ça. Ici, j'éteins ça. Ça ne fait rien. Bon.
Ah, d'accord. Ok. Donc en fait, celui-ci... En fait, les deux blocs là, ils se mettent. Faudrait que j'essaye de passer. Ça, en fait, ça va m'aider à pouvoir me mettre de l'autre côté en gravité, me mettre sur le plafond, je pense. Mais là. Si je fais ça, je vais aller là, comme ça. Est-ce que j'ai le temps de me mettre ici? Est-ce qu'il y a un creux en fait? Voilà. Pour que je puisse après marcher au-dessus. Est-ce que j'ai le temps? C'est forcément ça. De toute façon, le machin là, faut que je le laisse activer. Ah bah non! Ok. Ok, en fait, il faut pas que je l'active. Déjà, je vois pas comment je vais faire pour me mettre ici. Comment je pour me mettre ici et activer le truc en bas là. Comment je vais faire? Ça me casse tête ce truc. Est-ce qu'on peut l'activer Déjà la corde là, c'est le générateur de ça. Faut que j'arrive à monter là-haut. Je peux pas le désactiver par au-dessus, c'est pas possible. Ça, c'est ça qui fait rien. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Re, j'ai dû faire une ellipse parce que je suis bloqué à ce chapitre avec le truc magnétique là et les plateformes noires là. Donc du coup, je ferai le dernier gameplay parce qu'il me reste plus que 4 chapitres. Vous voyez en haut là, il me reste plus que 4 chapitres avant de pouvoir terminer le jeu Limbo. Donc je vais arrêter ce gameplay-ci, donc le gameplay numéro 6. Et je referai le dernier, l'épisode final, l'épisode numéro 7 de Limbo, pour terminer la série sur ma chaîne, voilà. Donc cet épisode a duré un peu plus longtemps que d'habitude parce que j'avais envie de terminer cet épisode, enfin cette série, parce que voilà, j'avais envie de faire d'autres vidéos. Donc je proposerai sur ma chaîne prochainement des vidéos sur Watch Dogs qui va bientôt sortir. Et sur j'oublie le nom Tom Clancy The Division qui sortira logiquement fin d'année, enfin il n'y a pas encore de date donc j'ai encore le temps, mais Watch Dogs je proposerai des petites vidéos sur ma chaîne dessus, voilà. Donc on va s'arrêter pour l'épisode numéro 6 de Limbo et on se retrouve pour le dernier épisode, l'épisode numéro 7. Allez, n'oubliez pas de me suivre et de vous abonner et d'aimer cette petite vidéo. Allez, salut et à la prochaine. Bye bye, bye bye.